Ressentez-vous des hauts et des bas émotionnels causant de l'anxiété et un sentiment d'insécurité? Y a-t-il de la résistance au changement, entraînant frustration et stagnation? Avez-vous le sentiment que les événements de la vie sont imprévisibles ou hors de contrôle, pouvant mener à un stress énorme? Vous est-il difficile de prendre des décisions claires, menant à une perte de confiance et à de la procrastination? Réagissez-vous de manière impulsive, excessive, face aux situations, menant à des regrets ou des conséquences négatives? Ressentez-vous de la fatigue mentale et physique due à la constante gestion des hauts et des bas émotionnels? Si la réponse est oui à l'une de ces 6 questions, eh bien notre vidéo « Comment maîtriser le chaos et revenir à l'équilibre grâce à l'énergie du chiffre 5 en février 2024 », eh bien, cette vidéo est pour vous. Nous allons y explorer comment cette énergie particulière peut causer à la fois chaos et déséquilibre, mais également comment la maîtriser pour retrouver paix et stabilité. Pour ma part, je vais aborder le sujet au travers du décryptage, on va dire sous l'angle du décryptage de l'astrologie des 9 étoiles. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils et un petit exercice énergétique très simple pour vous aider à soutenir l'énergie du mois. Quant à moi, eh bien, je vais aborder l'énergie du chiffre 5 sous l'angle du développement personnel et je vous donnerai 3 clés de façon à bien vivre cette énergie. 3. Bienvenue sur la chaîne Rends ta vie sublime, la chaîne qui vous aide à atteindre votre vie sublime grâce aux 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise et aux outils de coaching et de développement personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Quand vous serez satisfait, cliquez sur le pouce et puis cliquez la cloche. Comme ça, vous serez prévenu de tous nos prochains contenus. Dès maintenant, je vous laisse avec Sandra. Alors, nous avons vu dans ma dernière vidéo sur les énergies de l'année 2024, d'ailleurs, une parenthèse, si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous encourage à aller la voir ici. Que l'énergie change tous les ans, suivant un cycle de 9 ans, ce qui nous donne 9 énergies différentes auxquelles nous allons être soumis collectivement et individuellement, qu'on le veuille ou non. En fait, ces énergies, c'est comme le rythme des saisons, elles suivent le rythme des saisons. Il y a une saison pour semer, il y a une saison pour planter, il y a une saison pour arroser les graines, une saison pour récolter. Ce qui est vrai pour les années l'est également pour les mois. Chaque mois, l'énergie collective change de rythme. Et chaque étape de ce cycle de 9 est une nouvelle opportunité de remettre du 9. En développement personnel, ces cycles nous rappellent l'importance de nous adapter aux situations. Nous adapter, c'est quoi? Eh bien, c'est adapter nos attitudes, c'est adapter nos comportements, c'est faire en sorte que je puisse créer dans la situation et avancer, continuer d'avancer, malgré ces événements que je ne contrôle pas forcément ou que je ne connais pas forcément. Et si vous ne faites pas l'effort d'adapter votre comportement ou d'adapter vos attitudes, vous allez avoir du mal à passer à l'étape suivante, à progresser vers un nouvel environnement et de nouvelles situations. Alors comment pouvoir agir face à ces événements chaotiques qui changent vos habitudes, qui vous bousculent dans votre quotidien? Eh bien c'est simple, vous allez vous poser cette question. Cette question est simple, c'est la première clé. Vous allez observer comment est-ce que vous réagissez d'habitude dans des situations que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre attitude? Quel est votre comportement? Et puis une fois que vous aurez passé en revue ces différents moments où vous avez été obligé, j'ai envie de dire, de vous adapter, vous allez noter comment vous avez fait et en face, vous allez décider de mettre en application de nouvelles pensées, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements. C'est assez simple. Il vous suffit de prendre la situation que vous n'arrivez pas à traverser. Et vous vous dites, tiens, si je faisais de telle façon, comment je me sentirais dans cette situation? Donc vous imaginez, par exemple, vous avez du mal à prendre la parole en public. Et là, on vous met devant des événements où vous devez prendre la parole en public, où c'est important que vous preniez la parole. Eh bien, vous allez imaginer que vous êtes le champion du monde de la parole en public. Et vous allez mettre ça à l'intérieur de vous et vous mettre dans la situation de prendre la parole. Et vous allez noter ce qui est différent jusqu'à trouver la nouvelle attitude ou la nouvelle pensée ou le nouveau comportement que vous devez mettre à la place de celui qui ne fonctionne pas. Alors parlons maintenant des énergies de ce mois. Ce mois-ci, l'énergie est celle du 5 Terre. C'est l'énergie du mois.
Et le 5 Terre, c'est comme un point de bascule entre des énergies beaucoup plus denses qu'on a eu dans les mois d'avant, dans le métal, dans l'énergie du métal, et des énergies bois qui viendront par la suite. Ce 5, c'est un petit peu genre l'œil du cyclone. Vous savez, dans un cyclone, ce qu'on appelle l'œil, c'est vraiment là où tout est calme, il y a du silence. Mais dès que vous mettez un pied dehors, vous pouvez être embarqué par le tourbillon. L'énergie du 5, c'est vraiment celle-là. Donc, en conséquence, si vous restez bien ancré, si vous consolidez tout ce que vous avez déjà fait, vous continuez sur votre lancée sans rien tenter de drastiquement nouveau, de drastiquement différent, tout ira bien et potentiellement même, ça pourra être un succès. Mais si vous vous lancez dans des nouvelles aventures, vraiment qui sont totalement hors de votre zone de confort, totalement inconnues, ça peut potentiellement déséquilibrer l'énergie générale. C'est donc pas du tout un mois idéal pour lancer des nouvelles lois ou de nouvelles réglementations au niveau collectif qui sont totalement nouvelles et qui sortent de nulle part. Pourquoi je vous parle de lois tout simplement parce que cette énergie qui nous régit ce mois-ci, le 5 Terre, il représente au niveau de la société, donc au niveau vraiment collectif, tout ce qui est gouvernement et politique. Et comme c'est l'énergie du mois, ces sujets-là, potentiellement, peuvent être mis en lumière, peuvent être le centre d'attention ce mois-ci. Qu'est-ce que nous dit cette énergie du 5 en développement personnel? Eh bien, très simplement, pour rappel, ce 5, c'est vraiment le centre. Donc, ça nous rappelle que dans des moments où le chaos est présent, dans le moment où les situations sont inconnues pour nous, il est important de se recentrer et de prendre des décisions équilibrées et réfléchies. J'avais envie d'utiliser la métaphore du magicien d'Oz. Si vous ne la connaissez pas, c'est la petite Dorothée qui se fait emmener par une tornade dans un monde imaginaire complètement inconnu, et même pire, qui utilise des codes complètement inverses où les animaux parlent, où les objets sont animés et parlent, où ce sont les sorcières qui dirigent le royaume. Et donc, si vous mettez le pied à l'extérieur de cette tornade sans avoir réfléchi, sans vous être centré, sans avoir fait focus sur quelle est l'essence du projet que vous avez commencé à débuter alors même que les événements chaotiques sont apparus, eh bien vous allez vous retrouver dans un monde complètement inconnu, chaotique, où tout est inversé et où vous n'aurez aucun repère pour avancer. Donc la clé que j'ai envie de vous donner pour ce point-là, rester à l'équilibre, ça va être de développer votre pouvoir d'observation. Vous allez devoir activer votre explorateur. Vous allez être tel un Indiana Jones qui va chercher quel est le moyen qui va lui permettre d'aller jusqu'à sa quête et de réussir son projet. Vous allez observer, si je fais comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? C'est un petit peu ce que j'appelle faire l'écologie des actions. C'est-à-dire que vous allez vérifier si cette action vous mène bien là où vous voulez aller ou pas. Si je me mets en route maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Et puis vous notez ça dans un carnet et vous prenez les décisions adaptées et qui vous servent à vous et à votre projet. Alors, à savoir que quand le 5 Terre est au centre du carré, c'est-à-dire au centre de l'attention, comme ce mois-ci, tous les autres chiffres, toutes les autres énergies reviennent dans la maison énergétique qui leur est propre. Donc, comme chacun des domaines d'activité, chaque chiffre est dans sa maison propre, donc ce mois 5 a le potentiel à la fois d'être un mois de stabilité, d'unité, de croissance, mais également de chaos, de désunification ou de déstabilisation. Tout dépendra de ce que l'humain, vous, décidera d'en faire. Donc vous voyez, l'énergie du 5, elle est puissante, extrêmement puissante, dans un sens comme dans l'autre. On peut donc être soumis, potentiellement ce mois-ci, à des sortes de up and down. À nous de rester centrés. Quand Sandra m'a dit que on était dans notre maison avec cette énergie du 5, ça m'a tout de suite fait penser à la zone de confort. Et oui, pendant ce mois de février, on va être dans notre zone de confort. Eh bien, c'est à double tranchant, vous le savez. La zone de confort, c'est la zone que l'on connaît. On y est bien, on a nos habitudes, nos repères, etc. Et là, on nous envoie un lot de chaos et de situations difficiles. Le risque d'être dans cette maison, c'est que on va tout prendre comme pas bon pour nous. C'est-à-dire que chaque événement un peu difficile va être rejeté en disant « Non, mais voilà, c'est pas ma maison, c'est pas mes trucs, c'est pas comme ça que je fais, donc j'y vais pas. » Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, et ça sera ma troisième clé,
c'est d'aller vérifier quel effet vous fait, cette situation nouvelle, quel effet vous fait ce chaos. Vous le ressentez à l'intérieur. Et si ça fait, vous savez, ça coince, eh bien, c'est que c'est sûrement la bonne chose à faire pour vous. Comme le disait Anthony Robbins dans un de ses accompagnements, il disait « Quand une chose est très difficile à faire, c'est souvent que c'est la bonne chose à faire. » Souvenez-vous de ces paroles d'Anthony Robbins. « Quand une chose est très difficile à faire, c'est souvent le signe que c'est la chose à faire. » Ça vous permettra de vérifier si vous êtes en train de fuir des situations où vous devez co-créer, où vous devez vous challenger, ou effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit JP, d'autant plus que là, on parle d'une énergie collective. Et vous n'avez pas la main sur les réactions du monde entier. En revanche, vous avez la main sur votre énergie. Alors, on va dire quand même, rajouter un petit truc, c'est qu'il faut garder en tête que l'énergie de l'année, l'énergie collective, c'est celle du 3 bois. Et que c'est toujours l'énergie de l'année qui prime sur l'énergie du mois. Et il faut se rappeler un truc, c'est que sur le cycle des 5 éléments, le bois est un élément qui vient canaliser, contrôler la terre. Donc potentiellement, cette énergie 3 va comme atténuer la puissance du 5 et du coup, potentiellement éviter que tout ça ne déborde dans un chaos énorme. Donc, en résumé pour ce mois-ci, patience, flexibilité, gardez-vous de tomber dans l'agressivité. Observez, explorez, soyez curieux, co-créez avec ce qui est là, essayez de rester le plus stable sur vos bases et avancez tranquillement. Vous aurez l'occasion le mois prochain d'aller explorer de nouvelles expériences. Et puis peut-être aussi, vous pouvez rajouter des petites touches dans votre alimentation pour soutenir cette énergie terre, d'aliments qui vont être plutôt doux, sucrés, comme vous savez, des carottes cuites, le chou cuit, la courge, tous les oignons cuits, tous ces aliments-là qui ramènent de la douceur et viennent soutenir votre énergie terre. Alors pour finir cette vidéo et ce tour d'horizon de cette énergie 5 terre parfois déstabilisante, je voulais juste vous partager un petit exercice énergétique hyper simple. Mettez-vous bien stable, assis ou debout. Et commencez par prendre des grandes inspirations et vous relâchez comme un soupir de soulagement. Vous savez, vous ne poussez pas votre souffle, vous le laissez tomber. Quand vous arrivez le soir dans votre canapé et puis vous laissez tomber, et il y a ce... Donc faites-le plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que l'énergie descend dans le bassin, que peut-être, moi ça m'arrive, la tête qui tourne ou qu'il y a quelque chose qui se passe, ça pétille. Et concentrez-vous sur cette énergie qui est dans le bassin, ce centre de la créativité, de votre énergie de base. Concentrez-vous là-dessus et imaginez ce que vous voulez mettre comme énergie à la place. Ça peut être, c'est une intention, ça peut être de la joie, de la paix, de la stabilité, de la co-création. Je ne sais, vous le saurez. Mettez ça, regardez comme si c'était des mots, des images qui tournent dans votre bassin. Et une fois que vous les avez, vous avez bien mis votre concentration là-dessus, que c'est clair, que vous le ressentez dans votre corps et que ça vibre, c'est ça que vous voulez vivre. Vous allez faire comme si vous alliez remonter cette énergie dans votre corps jusqu'à la lèvre inférieure. Vous le faites le long du corps, comme ça, 5 fois, en remontant à chaque fois, en mettant une phrase de cette intention. Je suis dans la paix, ou je suis dans la joie, ou peu importe, ça sera votre phrase, mais ancrez-la dans votre corps pour faire remonter cette énergie et comme si vous vouliez la diffuser un peu partout dans votre corps. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a amené de la valeur et surtout que vous allez mettre en pratique toutes ces clés précieuses que nous vous avons partagées ici. Rappelez-vous, hein, remontez tout. Et puis, eh bien, pour avoir plus d'informations sur cette loi du vivant, ces 5 éléments, vous avez ici en bas la playlist où vous allez retrouver le même genre d'informations sur les 5 éléments et leur influence dans notre vie. Vous pouvez vous abonner ici si ce n'est pas encore fait. Et puis, notre dernière vidéo publiée sur le triangle de Cartman, qui est très intéressant dans les relations, surtout en ce moment où c'est chaotique. Et puis nous, on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo ou dans celle que vous allez regarder bientôt. Ciao. Ciao.